On va encore le voir où. Papa, vite. Quand on va encore dire que ouais, ma personne. Oui. Non, oui. Copine, on va prendre. Oui. Ouais. C'est chaud. C'est là, non. C'est chaud. C'est là. Non, parce que ça va vite. Le petit, ça va vite. Coucou, mes gens, ça va? Après une dure prestation, hein. Faut nettoyer, non? Les gens marchent dehors par catégorie. La misère dans la vie n'est pas forcée, hein. Ta mère va accepter que tu viennes te mettre là-devant. Hein? Oui. Mais tu vois qu'il y a le direct, faut pas apparaître. Ah. Eh ben oui. Ben merci. Yes. On partage même quoi, même. Tout ce que vous voulez savoir, c'est que vous partagez. Je vais vous dire. Il y a quelqu'un qui. Je vais vous dire. Vraiment, pour ton conseil, le Singa. Oh, merci, ma chérie, c'est gentil. Tout ça. C'est ça qu'on doit partager comme ça. Mettez les cœurs, mettez les cœurs. Ça, c'est un bon. Honnêtement, je ne connais pas le monde là. Non, il vaut mieux ne pas connaître ça. C'est un problème pour pas. Oui, c'est un problème. Arrête-moi dans l'ordre. Ouais, copine, on arrive finir avec toi ici. Copine, où est le couvercle? Attends, j'arrive. Ne mélange pas, attends. J'arrive. Pourquoi? Je suis sur le couvercle. Pourquoi? Je suis sur le couvercle. Je suis sur le couvercle. Je suis sur le. Reste d'abord alors. Reste d'abord, tu poses. La pièce, c'est pour toi. La pièce, c'est pour toi. Ça va, mes gens? Ça va? Je suis en train de ranger. Comme ça, par Missunga va seulement venir porter. Il le met dans les cartons. Coucou ma Chantal, ça va? Voilà. Pas plus que ça. Il y avait l'autre posé là-bas sur le... Ça, c'est un ici. Ça, c'est pour moi. For you? No. It's not for me. Ah, ça, ça s'accroche sur l'autre. Où? C'était accroché avec... Ah, ça, c'est pour les petits. Ouais.
Ça, c'est le petit. Li pop pop pop. Alla décalement. Coupé bas. Hi. Que tu as fait là, c'était petit. Si. Toujours en direct là. Il nous va bosser. Le concept. Bon, j'enlève d'abord ça. Au moins, Pam Nsonga va se reposer. Et merci beaucoup, mon frère. Ça va me permettre de boire aussi mes bières tranquillement, tranquille. Les bières que les invités n'ont pas fini de boire, c'est ça que moi, je vais boire. C'est toujours pour l'amitié comme ça. Hein? Copine, n'oublie pas le support. Hein? Le support de l'autre. Ok. Tu as pas vu le couvercle de ça? Tu y en as mis. Comme elle te dit, non? Okay. Ne mets pas ta part dedans. Ça avec ma part. Mais où y a? Tu n'es pas mort, mon frère. N'est-ce pas? Copine, tu vois comme au moins comme ça, il est. On peut gérer le reste. Ouais, ouais. Je cherche, il y a une pince là que je cherche. Bon, alors une fois les trucs là, il y a le plateau là. Attends, je parce que peut-être qu'il veut que je l'accompagne déjà là-bas. Ah. Avec Lionel. Ou bien va aller avec sa soeur. Ok, va aller avec sa soeur. Peut-être même un conseil est parti. Voici le fiston ici. Non, je l'aime. Elle part comment? Elle prend son pied, elle passe là-dedans. Quand c'est comme ça, elle passe. Ok. Ah, comme la gare n'est pas loin d'ici. Lionel est où? Tu vas faire. Tu vas commencer à faire chip-chip. Où est le direct là? Aussi, c'est ici. Tu dis quoi au direct? Viens parler si tu veux parler. Ils sont en train de partager. Dis-leur de partager. Partager. Mettez le cœur. Le concept de Tata Doudou. La mère du Misunga. La reine incontestée de l'événementiel. Partager avant qu'elle ne parle. Elle parle. Nouvelle recrue. Nouvelle recrue de Tata Doudou. Oui. C'est elle qui m'a dit que Mandolin vient. Je fais de toi ce que tu n'es pas. Et voilà. Je suis là. C'est ça.
C'est ça même. Regarde, regarde. Le temps maintenant, elle va me mettre ça comme le couscous. Oh, tata Doudou. Ça va dépasser le couscous là maintenant. Même ma fille, elle va voir le couscous. Elle va dire que hey. Elle va dire que mon fils. Elle va dire que mec. Donc, c'est la semaine qu'il a mis sur mon petit frère là. Elle dit que. Ok, copie-nous. Tu parles comme ça, on entend. Les trucs de piment là. Les boîtes de piment là. On entend. Tu vois les trucs qui servent de piment là, non? Tu parles comme ça, on entend. Hein? Ils entendent. Oui, ils entendent, non? Attends, je vais mettre là où il y a la visibilité. Ici là, c'est un peu sombre. Ah, comme ça, ça donne bien. Mais bon, j'ai pas envie de monter la maison de copine. Attends. Voilà, ici c'est bon. Voilà. Voilà, non. Le concept du Musunga, la reine de l'événementiel. Tata Doudou. Ah, hein. Mettez le cœur, voilà, mettez le cœur. Bah, pas maintenant, tu vas pour le piment, non? Partagez, mettez le cœur, Tata Doudou. Elle commence tout à l'heure. Ah, pas c'est bon. La déesse, la reine incontestée de l'événementiel à Paris. Mettez les cœurs, mettez les cœurs. Mettez, voilà, ça monte, ça monte, ça monte. La coucou, déesse, Chantal. La déesse, Chantal, Chantal, tu crois. Bonjour, monsieur. Oui, Chantal, bonjour. Je suis la nouvelle recrue de Tata Doudou. Ça va, Chantal? C'est martiniquaise. Elle est martiniquaise? Oui. Voilà. Oui, bonjour, monsieur. Très gentil. Bon apéro, monsieur. C'est une recrue aussi. Oh, merci, Chantal. Non, elle merci fait partie Chantal, de l'équipe. C'est gentil. Tu fais partie de l'équipe. Elle fait partie de l'équipe. On ne s'est pas encore rencontré, mais ça ne serait tardé, Chantal. Merci. Ouais. Bonjour, monsieur. C'est Sandra. Oui, Sandra, bonjour. Comment vous allez? Ouais. Bonjour. De la Guadeloupe. Oh, merci, la Guadeloupe. L'Afrique numéro 2. Ok, c'est bon. Alette, merci pour les cœurs. Merci beaucoup. Sandra, merci Sandra encore. J'aime ça. Alors, attends, tu fais monter le dimanche, hein, tu as vu? Ouais, il n'y a pas de souci, je sais. Ouh, Tata Doudou, c'est Joe Saza qui te dit bonjour. Bonjour, ma chérie. Voilà. Je vous présente ma nouvelle. Ouh, recrue. Madagascar, on est suivi jusqu'à Madagascar. Inch'Allah, bonjour à tout Madagascar. Santé. Ah, santé, santé, santé. Pour vous aussi. Ouais. Chantal, mettez les cœurs, ouh, ça cartonne, coucou d'amour, tu es très bien habillé, tu n'as plus rien à prouver à l'événementiel, tu es la reine, c'est Chloé Salva qui te dit ça, merci Chloé, si tout le monde pouvait le comprendre aussi vite que toi, ça serait fantastique, ça c'est ouais. Le secret de la maison, bonsoir, c'est Véronique Trush qui te dit bonsoir Tata Doudou. Oui, bonsoir Véronique, Tata Doudou, les cœurs, calme les cœurs. Ouh. C'est mon frère. On a demandé qui je suis. Gentil comme tout. Non, je suis en train de leur dire. Ah ouais, ouais, je crois qu'on avait demandé, je suis son frère, hein. Pas de soucis, c'est la famille. C'est un cœur à prendre. Sandra, les cœurs, Chantal, un cœur à prendre. Ouh. Un cœur à prendre, merci qui veut. Merci pour les cœurs. C'est un cœur à prendre. Un cœur à prendre, qui veut. Voilà. Personne ne veut, hein. Ah bon, personne ne veut le cœur. Tata Doudou, honoré la danse de Madagascar. Oh, merci beaucoup tout Madagascar. Bonsoir Tata Doudou, nous t'attendons en Italie. Tu iras en Italie, j'espère, parce qu'on t'attend. Loïs Jaël. Ok. Invite-moi, je viens, non? Invite. Chantal Renard dit que je veux. Ok, Chantal. Tu fais quoi? C'est quoi que tu fais ce soir? Non, je fête l'after, non, Carrie. Qui veut encore? Viens, Jocelyne. Et eux? Merci, Steph. Merci.
Merci, merci, merci Chantal, merci Stéphanie. Fais-moi les trucs du piment. Merci, là. Ça me va droit au cœur. Les boîtes de piment là. Ah, tu as fini? Attends, on continue. Non, moi, je reste. Ouh, Vinette. Ah, Vinette aussi. Okay. Merci, Vinette. C'est à toi, Doudou, hein. C'est la coach, c'est ouais, pas moi. C'est son comme petit ça, frère, moi, je pose tout. Déjà là, tu vois un peu. Mm-hmm. Les deux. Ouh, on te dit, bon, Denis, te met le cœur. Marie-Jo, bonsoir, madame. Tata Doudou, oui. Bonsoir, de la part de Tata Doudou, elle est là, elle prend ses apéros. Chantal, j'arrive. Oh. Chantal, c'est où on est? Mm-hmm. Ah bon? Oui. C'est vrai, là? C'est ma personne, non? Chantal, tu viens vrai, là? Bientôt, je quitte la Guadeloupe pour venir. Viens, Jocelyne. Ok. Tata Doudou, tu es très belle. Ah, oh, merci. Bon, c'est une évidence. Tout le monde sait qu'elle est belle. Bon. Jeanne Landrine, merci beaucoup. Pourquoi je suis avec toi? Ce n'est que toi qu'on dit que tu es très belle. Pourquoi on ne peut pas dire aussi que ton petit frère est beau? Ah non, c'est pas tu normal. Tu n'entends pas que j'ai dit tout à l'heure que tu es un cœur à prendre. Elles sont combien? Tu as pas lu oui, la oui, que oui, je veux. J'ai lu trois. J'ai lu trois, mais personne n'a dit que j'étais beau. Non, elles sont réservées. Non, tout elles le sont monde réservées. Dit que c'est toi qui es très belle. Elles sont réservées. Après, non. Maintenant, ça va se passer inbox. Ah c'est bon? Quoi? Inbox. Si tu veux, tu donnes ton numéro. Tu vas voir comment ton téléphone va sonner. Oh, merci Elisa. Merci beaucoup. Tata Chantal, tu déranges. Je suis loin. Je suis à Nancy. Bon, c'est pas aussi loin que ça, Nancy. Voilà. Coucou la maté, oui. Justa. Cécilia. Juste Cécilia. Oh, merci Vignette. Merci beaucoup. Voilà. Merci. Est-ce qu'elle a sorti ça hier? Non, c'est pas pour moi. Écoutez, grâce à ma soeur, c'est mon premier Martin direct. Martin, comment tu dis qu'il est sous? Non. Qui est sous? Moi ou lui? Qui est sous? Qui est sous? Et Martin. Puis quoi? Tu crois qu'on boit l'eau? Martin. Santé, mon frère. Martin, tu fais quoi comme ça? Il boit le jus de raisin. Moi, je bois le jus de Martin, pomme. Tu fais quoi comme ça? Madame Tata Doudou, tu es belle femme. Ouais, bon apéro. Jeanne Landry dit que quoi? Je suis timide. Oh, bisous, bisous. Ok, vous êtes très beau. Merci, merci tu Alain. Tu es timide, hein? Je suis timide. Bon, viens à l'inbox. Tu viens te ok, lâcher. Ok, ok. Pas de soucis. On connaît l'autre là. Oh, je suis ton goût, Diane. J'aimerais bien voir ça. J'aimerais bien voir. Imbé de Tata Doudou, s'il te plaît. Les fans de Tata Doudou sont timides. Non, pas aussi ça. Faut pas être timide. Moi-même, je suis son petit frère. Je suis timide. Oh, merci, merci, merci Chantal. Merci. Oh, Béninois dans les veines. Ah ben, tu as des sangs béninois dans les veines. Est-ce que la nationalité a quelque chose à voir par rapport à l'amour? Béninoise, n'importe quoi. L'amour, c'est l'amour. Hein. On ne choisit pas où son cœur doit aller. Les mariages que je fais même ouais, déjà là, bonjour, que Cameroun, Ivoire, Cameroun, Gabon, Cameroun. Et Marie-Hélène te dit bonjour, et bonjour, la nouvelle reine. Coucou Marie-Hélène. Bon dimanche, oui. Martine Somba, ton noyau. Oh, bonjour, oui. Christine, bonjour, Tata Doudou, vous êtes trop beau. Oui, quand, au moins, voilà, elle au moins. Merci Christine, elle a dit beau. Ça veut dire que tu es accompagnée d'un garçon qui est moi. Elle devait dire belle si tu étais seule. Ok, Chantal. Ok, nous sommes beaux. Merci beaucoup. Christine, Doudou, on s'appelle. Chantal. Ouais. C'est Chantal. Mm-hmm. Ouais. C'est Chantal. Merci Chantal, vous vous appelez. Je dis, elle a bien la nuit plus glacée. Hein? Je t'apporte une autre. Là. Oui. Ok. Apporte, s'il te plaît. Les gens qui partent. Ah, tu as pris goût. Tu as pris goût. Tu as pris. On ne te voit pas. Je viens virer vraiment. Tu as appris goût? Non, pas encore. Ah bon? Pas encore, ne m'a même pas là-bas. Quoi. Non, non. Aïe. Oh, désolé, tata. C'est pas grave. Bon, personne n'a vu. Hein. Mm-hmm, c'est pas grave. Eh ben, t'as pas lu le commentaire entre temps. Attends. On t'a les mains comme ça. Voilà. Ne verse pas de là, mais oui. Tu es un très beau garçon. Non, Véronique, 13. Là, je vais verser les larmes, quoi. Je pensais pas. J'entends ça rarement, surtout avec mon ton noir. Je n'entends pas ça tous les jours. Mais merci, Véronique. Ça me va tout droit au cœur, ça me touche beaucoup. Bonjour. Ça, c'est ma famille. Nana te dit bonjour. Coucou, Nana. Mm-hmm. La plupart des gens, qui commentent là, tu vas voir que c'est ma famille. Quand je dis ma famille, c'est ceux qui me suivent, ouais. Qui sont là. Okay. Dès que je me connecte seulement, bim. Ouais. Tu vois, non?
Mm-hmm. Donc, elles sont là, elles vont te titiller un peu, elles vont rigoler Chantal, avec toi. Chantal te dit, Doudou, on avait déjà parlé, tu sais. Donc, tu sais de quoi vous avez parlé. Voilà. Tu sais de quoi vous avez parlé. Oui. Tu te rappelles. Mm-hmm. Ok, Chantal, elle se rappelle de quoi vous avez parlé. Tata Doudou pense à une agence matrimoniale. Yvette Stéphanie Wona. Que tu passes à une agence matrimoniale. Mm-hmm. J'ai pas compris. Mais pour relier les couples, non. Ah bon? Mais oui. J'ai dit tout à l'heure que tu étais encore à prendre. Quand il te présente comme ça là. Bonsoir, tata Doudou. Voilà. Ouais, c'est bon. Doudou, on avait parlé. Bon, c'est Chantal encore. Oui, il y a Clémentine qui te dit bonsoir, tata Doudou. Coucou Clémentine, Belibi, c'est comment non? Il y a Suzy qui te dit bonsoir, tata Doudou. Coucou mes amours. Sandra, partagez pour que ça arrive partout. Sandra Almo te dit Doudou, Dieu te bénisse. Merci. Ok, il y a Marie Chikin qui te dit je viens de te voir, la plus belle dame. Merci. Ok. Dame Landrine, tu as le genre de tête. Ouais. Qu'on fait les bisous sur ça. C'est ta tête. C'est quoi? Bien lisse. À toi. C'est bon. Oh merci. Oh merci, Diane. Le genre, tu attrapes comme ça là. Ping. J'ai pas entendu. Tu vois un peu, non? Je fais la démonstration, tu attrapes comme ça. Fabien Barthez Zidane. Tu commences à verser seulement. Ça fait Fabien Barthez Zidane. Ah, il est fils, vous partez déjà. Ouais. Donnez-le où? Oui, merci. Ok. Au revoir. Bon dimanche à tous. Félicia, Zoé qui te dit bon dimanche. Clémentine, ça va bien, merci. Il y a Suzy Méry qui rigole un peu. Tu dis au revoir la balançoire. Hein? Il y a Suzy qui rigole un peu, peut-être c'est de ma tête, je sais pas, c'est sûr. C'est de ma tête qu'elle rigole. Ok. Tu n'entends pas que tu as le genre de tête qu'on attrape comme ça, on fait des bisous. Ajoutez les cœurs, s'il vous plaît. Ajoutez les cœurs. Tata Doudou va commencer tout à l'heure. Ok, Sandra. Mais pourquoi tout le monde rigole à cause de ma tête? Rentrez bien. Bisous, les enfants. Ok. Pareil. Au revoir, mon petit garçon. Au revoir. Mais tu n'as pas oublié ton collier de noyade là. C'est ça. Tu baisses le sel, tu baisses l'eau, tu parles. Attends, laisse-moi lire les commentaires. N'est-ce pas? Bon dimanche à tous, Chantal. Annick t'a donné le numéro. Oh, attends, Chantal. Le mode. Attends, les. Oh, on a loupé beaucoup de messages là. Attends, assieds-toi. Moi, je m'avais fini. Ok. Assieds-toi, tu. Je lis les messages. Oui. Je réponds. Hein? Oui. Ok. Je lis les messages et je réponds. Pour une fois, je sais le direct à la place de ma soeur. Ok, bon dimanche, la famille. Ok. Léonie Mbembe. Mbembe Mbembe Ngore. Voilà. Mbembe Ngore. Ngore Mbembe. Ah, Léonie Wawora. Ngore Mbembe. C'est qui? Léonie Mireille. Léonie Mireille. Ouais. Il y a les cœurs de Clémentine. Diane, des cœurs partagés. Partagez, ajoutez les cœurs. Tata Doudou va commencer tout à l'heure. Tu vas même parler de quoi, tata? Je sais même. Elle ne sait même pas encore le sujet, mais partagez. C'est la détente, non? C'est la détente. Est-ce que c'est ouais. Le sujet, tata? Tata, j'ai fait un gros bisou. Le but, c'est seulement de me voir. Sans plus. Quelqu'un t'a fait un gros bisou. Marie-Jo, elle dit que toi, tu es en train de boire ta bière Heineken. Marie-Jo, ça. Oui. Non, taking. Ah. Ouais. Elle te fait un bisou, tu bois. Marie-Jo, elle va te répondre, hein? Oui, t'es une tata très gentille, ouais, on sait. Ouais, les cœurs, merci. Merci, Marie-Jo. Il arrive à lire malgré son jus de... Hey, Joe, ça. Oui, c'est un jus de cerise. Bon, comme tu lis dans l'enveloppe, c'est ça, quoi. C'est ça, mais j'arrive à lire. C'est vrai que je porte souvent les lunettes, mais là, avec les lunettes, je pense que... Oh, Chantal a aligné les cœurs. Aligné les cœurs, comme Chantal. Suzy aussi a aligné les cœurs. Merci Chantal, merci Suzy. Ok, voici le lait ici, non? T'es pas parti? Ok, on attend. On est en direct là. Non, Annick, tu vas nous laisser ensemble. Dans la piquette des parfums. Chantal, merci pour les cœurs. Suzy, merci pour les cœurs. Merci les filles. Joe Saza te dit très bien. Tata Zizi, il y a très bien. Je suis pas si vieux pour moi. Oh. Il y a, Tata Doudou, viens voir. Il y a tellement le cœur que je m'embrouille. Je ne sais même plus quoi répondre.
Je ne sais même plus si les cœurs c'est pour toi ou si c'est pour moi. Non, c'est tellement, c'est tellement des cœurs, je ne sais pas. Il y a trop de cœurs. Oh, partagez. Non, je vois seulement. Voilà, c'est un orange. Les cœurs sont rouges, tout. Bah, après, tu dis. Ouais, quand il y a le cœur comme ça. Loïse, Jaël. Voilà, tu dis merci. Merci, Loïse. Merci, Chantal. Mais je ne savais pas. Merci pour les cœurs. Oh, Véronique, merci pour les cœurs. Oh là là. Mais tata, t'es célèbre comme ça, là. La première fois que je fais le direct, mais je me rends compte qu'elle est célèbre. Hein. Si je faisais mon direct seul, je ne devais même pas avoir deux personnes. Grâce à toi, je suis en train de picoler les cœurs et des cœurs. C'est très, très bien, frangin. Tu travailles déjà à la place de tata Doudou. Oui, je suis son petit frère, quoi. OK. Vinette dit drague-nous. Je fais comment? Est-ce que je vais te draguer en direct, Vinette? Non, je ne suis pas timide. Si je lui dis en direct maintenant que Vinette, tu es ce que tout homme peut rêver avoir de mieux dans sa vie, tu vas dire que oh, il rigole quoi, parce qu'il ne m'a pas vu. Mais je ne sais pas si tu écris comme ça. Toutes les femmes sont belles. Ça dépend de comment on va les appréhender. Les valeurs sont extrinsèques et intrinsèques. Parfois, il y a les gens qui regardent les femmes avec leur beauté extérieure, alors que la beauté intérieure est pourrie. Il y a ceux qui regardent les femmes de leur beauté intérieure, alors que la beauté extérieure, ce n'est pas ça. Mais tout ce qu'on cherche dans la vie, c'est l'équilibre. Voilà, trouver la femme idéale. Trouver la femme idéale. Parce que la femme idéale n'existe pas. Comme l'homme idéal n'existe pas. Chaque homme doit modeler la femme qu'il veut à sa façon. De la même manière que chaque femme doit modeler l'homme qu'il veut à sa façon. Chaque homme est sujet de ce que sa femme a voulu qu'il soit. Et vice versa. Merci beaucoup pour le cœur, Dani. Vinette, merci. Ah, tu vois, quand je dis Vinette, elle rigole. Ok, merci pour les cœurs. Les cœurs pour le feu. Oh, merci Vinette, merci beaucoup. Merci Chantal. Merci. Mais tata, j'ai les cœurs. Je prends les cœurs à ta place, non? Ok. Avec ton jus de cerise. Oh, Joe, tu vas pas me lâcher avec ça, je suis sûr. Bonsoir le frère en direct avec tata Doudou. Merci. C'est... Reagan Kamel. Je lui prends. Reagan. Merci Reagan. That is good. Very good. You are very good. Middle name. Jamila. Merci pour le cœur, Jamila. Véronique. C'est bien. Qu'est-ce qui est bien, Véronique? Je sais pas. Je sais pas. Parce que les filles, parfois. J'essaie de comprendre quoi. Pourquoi tu es célibataire? Oui, c'est une bonne question. Pourquoi je suis célibataire? C'est ça le problème. Parfois, les plus belles femmes, quand vous les voyez en route, vous vous posez toujours la question pourquoi elles ne sont pas mariées. C'est un peu ça. Parfois, les hommes ont peur de les approcher par rapport à leur beauté extrinsèque, comme j'ai dit. Peut-être moi, j'ai une valeur extrinsèque que les femmes jugent que non. Par exemple, j'ai eu beaucoup de copines qui m'ont dit quand on regarde la physionomie de ta tête, on sent que tu es un infidèle. Mais c'est pas ça. Ce n'est pas ça ma valeur intrinsèque. Ma valeur intrinsèque ne juge pas quelqu'un par rapport à ce que tu as vu. Juge quelqu'un par rapport à ce que tu ressens, par rapport à ce que tu as causé avec lui, par rapport à ce que tu vis avec lui. C'est ça même. C'est ça le problème. C'est ça, Henri. C'est ça le problème que j'ai. Il s'appelle Henri. Moi, c'est Henri. Voilà. Henri Marcel. Tu es sûr que c'est le jus. C'est le jus de raisin. C'est ouais, tout. Ouais, je sais. Ouais, c'est le jus de raisin. Ah ben, bébé. Tu vois, maintenant je parle. Ah, Kirit, c'est le jus de raisin. Ah, t'as bien. Moi, je bois le jus de pomme. Tu vois, quand ça sort du frais comme ça, ça mousse un peu. Après, ça va se calmer. C'est le jus de raisin, le jus de pomme. Tata Doudou, tu es libre, très belle. Tata Doudou, tu es libre, très belle. Wow, Regina. Ouais. Donc, c'est un peu ça, les filles. Tata Doudou va vous parler tout à l'heure. C'est mon camarade. Enfin, mais on a fait le même lycée. On a fait le même lycée. C'est ma grande soeur devant moi. Voilà. Elle était un peu plus devant moi. Donc, moi, j'ai quelques années avant et ils sont arrivés derrière. Ils sont arrivés derrière, mais voilà. C'était de nos aînés. Ce quoi. Qui fait que c'est un peu ça. Nous, on a gardé ce côté-là. Mm-hmm. C'est ma famille que je ne montre pas souvent trop. C'est ma famille. J'essaie de comprendre pourquoi parce tu essaies. Sont... Encore, tu essaies de comprendre pourquoi c'est célibataire. Je dis toujours, il ne faut jamais chercher être à comprendre pour ça. Pour être encore à prendre. Oh, hello. Le voici. Oh, Mary. I am fine. How are you, Mary? Nice. How are you? Are we? J'exige de le prendre. I hope you are good, Mary. How are you?
Et ce n'est pas. Oh, ya, yeah, c'est pas le jus. Allez, ça dépend du jus. Ça dépend du jus. Henri, ça, par contre, il s'affaire. Ouais. Ouais. La joie de vivre. Oh, merci, merci. Quoi? Oh, les cœurs. Oui, Henri, c'est ça. C'est beau. Non, blanc. C'était transparent. Joe, la chair de poule de ça, la chair de poule. La chair de poule. Hmm. Tu bois du rhum. Mélissa boit du rhum de Bologne. Ok, Mélissa. Hmm. Dieu est ciné. Je suis un bel homme. Oui, du ciné, c'est vrai. Tu dis, je suis un bel homme, c'est vrai. Mais il ne faut pas toujours se taguer sur ce que vous voyez de l'extérieur. Cherchez à connaître la personne de l'intérieur. C'est pour ça que beaucoup de couples aujourd'hui, ça ne dure pas. Parce qu'ils se taguent sur la beauté physique. Mais non, sur la beauté interne. C'est ce que j'appelle valeur intrinsèque. C'est là où ils se butent. C'est pour ça que la plupart des jeunes divorcent actuellement. Apprenez, si quelqu'un est beau, ok, il est beau extérieurement. Est-ce qu'il est beau intérieurement? Ne vous mettez pas avec un homme parce qu'il est beau. Mais cherchez à savoir ce que son cœur contient, ce que son cœur peut éprouver pour vous, jusqu'il peut aller. Parce que chaque homme, je pense, doit respecter une femme. Quand tu ne respectes pas la femme, ce n'est pas possible. La base d'un couple, c'est le respect. Il faut respecter la femme. Tant que tu respectes la femme ne te fera rien. Elle va t'aimer. Ça, c'est ce que nous, les hommes, on ne comprend pas. La femme, elle demande seulement respect, pas plus. Quand une femme sait que tu la respectes, elle peut se plier en quatre pour toi. C'est ce que je pense. Mais c'est vrai aussi que je connais tout ça. On dit toujours que le médecin ne peut pas soigner sa propre maladie. C'est pour ça qu'il me retrouve dans cette situation. Mmh, ok, je comprends maintenant. Dans une. Dans aucune femme. Le petit saut. Tu as vu le petit saut? Regarde derrière la porte qui donne au garage. Oui, c'est pas que les femmes n'ont pas cherché à me contacter. Si, je les contacte. Tu as demandé mon âge. Bon, là, je sais pas. Je peux dire mon âge en direct ou c'est IB? Bien sûr. Est-ce que tu as quoi caché? Ah, mais tout à l'heure. C'est peu... Dans ton âge, bon, ok, 40. J'ai 44 ans déjà. Je suis en train de vieillir là. J'ai 44 ans. Je croyais que c'était un IB. Bon, ça va. Non. Dans ton âge. On ne sait jamais. Tu peux trouver la femme. Il y a Luis Kouna qui te dit qu'elle a accouché des jumeaux. Qui? Qui a accouché des jumeaux? Luis Kouna. Ah bon? Félicitations. Oh. Fille garçon ou fille ou garçon? Ah, voilà quelqu'un qui dit qu'elle a connu Henri. Elle a. Je m'appelle Henri, elle a connu deux Henri, elle a vu le feu. Mais je vais te dire, ce n'est pas le prénom qui détermine la personne. Personne, oui. Ça, c'est le nom que mes parents m'ont donné. Je ne vais pas changer, c'est comme ça on m'appelait. Mm. Comme on dit en forêt, bon. Bon, pour lui faire plaisir, elle aimerait que tu t'appelles comment? Et je ne sais pas. Bon, ok, si tu ne peux pas m'appeler Henri, tu m'appelles Marcel. C'est mon deuxième prénom. Si c'est que les Henri t'ont vraiment cassé la tête. Le volume est bon à moi. Oh, Marie, merci. Ah, ça veut dire que le discours que tu tiens... De quel mois? Oh, moi je suis né en juillet, je suis cancer, le 7 juillet. Ah voilà, 1979. Voilà, c'est tout. Tu t'appelles Henri, je connais. Oh, je sais. Non, écoute, Diane, écoute. Tout le monde, c'est pas comme ça. Tout le monde n'est pas comme ça. Dans la vie, il y a les hauts et les bas. Écoutez, les filles, parfois dans la vie, on regrette ce qu'on a eu comme échec. Mais, je vous dis, les garçons qui vous ont déçu, ce sont les garçons qui vous ont permis de consolider votre état d'esprit et de savoir comment vous devez vous en tenir dans une relation. Ne prenez pas toujours la fin d'une relation comme une calamité. Prenez ça comme une expérience de plus. Parce que plus tu reçois tu as des déceptions, plus tu sais en quoi t'en tenir. Maintenant, les discours des garçons vont changer. Tu sauras comment t'en tirer. Bonsoir, j'ai arrêté. Ok. Tu dois t'appeler Doudou. Moi, Doudou? Non, c'est Doudou, c'est la grande soeur, c'est pas moi. Bonsoir, Tata. Marie. Mais ajoutez les cœurs, ajoutez les cœurs. Vérité, félicitations. Vérité, oh mon frère. Merci, Lucie. Thank. Thank for that. Félicitations, merci, Diane. Tu as vu, non? Merci beaucoup, les filles. Ouais, je vois. Elles sont sympas. Elles sont sympathiques. Bon, c'est un peu ça. C'est mon premier direct. J'ai jamais fait ça. Je trouve ça très fabuleux. Je trouve très... Tu veux que je les raconte quelle histoire, par exemple? L'histoire, notre histoire, non?
Ah ben voilà, voilà. Tata Doudou, c'est ma grande sœur du lycée. Je raconte l'histoire, quoi. Donne seulement, ne donne pas le nom. Oui, oui, je donne. Je, dis c'est, seulement oui, comme ça ta grande sœur. C'est ma grande sœur du lycée. Alors, une fois j'étais au Cameroun avec ma grande sœur même. C'est elle que je dis, alors, pas donner le nom. Je conduisais la voiture avec ma grande sœur pour aller à l'ouest. Tata Doudou avait eu son histoire de Misunga. C'était aux États-Unis, au Canada. Au Canada. Au Canada. Alors, ben, ça chauffait sur les directs. Alors, ma grande soeur, elle a mis son téléphone. Écoutez, moi, je suis de l'ouest de Banganté. On allait au village à Banganté. Ah, ouais. Alors, on allait à l'ouest à Banganté. Pendant 3 heures de temps, ma grande soeur écoutait les histoires de Misunga. Donc, tellement, comme elle a mis le volume, je lui ai dit, mais c'est quoi le Misunga? Elle me dit, non, c'est la viande qu'on attache. Je lui ai dit, mais c'est ça qui fait problème du Canada jusqu'en France. Elle me dit, oui, Tata Doudou a créé son concept. On l'a invité là-bas pour faire son concept. Et on a volé. Je dis, volé comment? Donc, en attachant sa viande, les gens ont vu. Elle dit, non, mais toi, tu crois que c'est la viande simple. Mais c'est un concept. Tu ne sais pas ce qu'elle met dedans. Donc, c'est malhonnête d'inviter quelqu'un faire son truc. Et quand la personne rentre, quand il faisait, tu copiais et tu piques. Tu commences à faire ta pub que tu sais faire. Elle dit, mais c'est pas vrai. J'ai dit, mais je mangeais ça étant petit. Elle dit, non, mais elle a créé ça au niveau international. C'est elle qui a le concept Misunga. C'est là qu'elle dit, mais tata, c'est même qui? J'ai dit à ma grand-sœur, c'est même qui? Quelqu'un qui attache seulement la viande, on parle d'elle comme ça. Mais ben, quelques années, quand j'arrive en France, je rencontre Tata Doudou. Je me rends compte que c'est ma grande-sœur du lycée. Alors je me dis, ah, mais putain, qu'est-ce que je disais à ma sœur? Alors, quand je lui raconte l'histoire, elle éclate de rire, elle appelle ma grande sœur. Ma grande sœur dit, elle dit, je suis avec quelqu'un. Ma grande sœur dit, c'est qui? Et elle fait l'affaire vidéo. Ma grande sœur dit, mais qu'est-ce que tu fous avec mon petit frère? Elle dit, ben, écoute, c'est vrai que c'est ton petit frère. Mais, c'est mon camarade, c'était mon petit frère au lycée. Voilà comment elle m'a pris sous son aile, comme son petit frère, de temps en temps. Ça ne veut pas dire que je travaille seulement avec Tata Doudou. J'ai mon boulot, mais le week-end, par rapport à ces événementiels, c'est m'appelle qui Henri, tu viens. Bonjour Nat, tu viens, on fait ceci. J'ai dit oui. C'est un peu ça l'histoire. Voilà comment je retrouve Tata Doudou, une grande sœur du lycée, que j'ai banalisé parce que ma grande sœur l'a défendue. Et voilà. Merci, merci, félicitations, bienvenue. Merci, merci Chantal. Merci. Oh Chantal, merci, merci. Mm-hmm. Merci Chantal. Oui, merci. Mettez les cœurs, les filles. Merci. Tata Doudou, il y a les cœurs. Il faut, je ne sais même pas combien de cœurs qu'il faut que tu commences à parler. C'est ma première fois de ça. Oh, merci pour les cœurs, Chantal. Mm, bisous. Bisous, Chantal. Bisous, 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 bisous. Mm-hmm. Ouais. Ici. Mm-hmm. Ouais. Vous êtes adorable comme tata. Oh, Nat. Oh, Nat. Merci beaucoup, Nat. Merci. Comme moi, des jumeaux, filles, garçons, mes jumeaux en 15 ans. Mm. Ok, Chantal. Ok, et, bon, il y a aussi... Là, c'est un truc que je voulais dire. Il y a les filles, il y a les hommes. Quand ils tamponnent une fille, excusez-moi l'expression, peut-être ce ne sont pas vos expressions. Tu croises une nana, elle a 3, 4, 5 enfants. Ok. Tu commences à dire elle a 3, 4, 5 enfants. Ok. Tu crois qu'elle a voulu être dans cette situation? Non. C'est à cause de nous, nos erreurs, qu'elle se retrouve tout le temps en train de recommencer. Elle se retrouve là. Mais nous, on oublie que nous, par ailleurs, on a 2, 3, 4 enfants ailleurs. On voit seulement ce que la femme a fait. C'est pour ça que parfois, dans le concept de l'amour, c'est un peu déséquilibré. Mais néanmoins, l'amour, ça se vit à deux. Si tu aimes une femme, tu vas aimer ses enfants. Si une femme t'aime, elle doit aimer tes enfants. Et c'est comme ça, et c'est tout. Notre génération est entrée dans cette phase-là et on doit vivre avec. Merci, Nat. Oh, merci Chantal. Merci pour le respect. Oh, merci, merci pour le cœur. Aurel. Merci pour le cœur.
Merci, merci. Tu as vu comment les glaçons la donnent, non? Mm-hmm. Mais t'as donc tes trucs de direct, si c'est comme ça, là? Tu as vu, c'est la ah, mais je vois les cœurs, mais j'espère que je ne vais pas, je vais pas entrer dedans. Tu hein. as vu, tu as vu la je vais donner. Ouh! Oh là là! Véronique, merci. Oui, Vinette, j'ai déjà des enfants. J'ai des enfants. Comme on dit, Dieu propose, Dieu dispose. Parce que dans la vie, ce qui complique un peu la nature des couples, c'est que notre génération, certaines filles ont grandi avec l'esprit matérialiste. Alors, elles ne savent pas que l'homme vaut parce qu'il est et non parce qu'il a. Maintenant, quand tu dragues une nana, elle cherche à savoir ce que vaut ton portefeuille. Et ça, ça détruit l'amour parce que elle t'aime en fonction de la puissance de ton portefeuille. Quand ton portefeuille commence à diminuer, l'amour commence aussi à diminuer. Et c'est ainsi. C'est pas vrai, quand vous aimez quelqu'un, aimez-le pour ce qu'il est et non pour ce qu'il a. Bon, c'est ce que je pense, hein. C'est mon avis. Je pense pas que ce soit le vôtre. Voilà. Merci Stéphanie. Merci Véro. Voilà. Bonsoir. Bonsoir Chris. Bonsoir Chantal. Stéphane, t'es cool, là. J'ai répondu, hein. Oui. T'es déjà là, je te laisse. Encore là. Tu maintiens l'audience. Oh, oui, je maintiens quand même, je maintiens. Je maintiens. Elle est là, tata de deux, elle est là. Elle est là. Ok. J'ai des trucs à savoir, faites de moi savoir. Je vais vous dire. Parce que parmi Souga, quand il va venir, là, Hélène, moi, c'est juste pour emboîter, non. Il y a Chantal qui te dit que tu es là, tu ne lui dis pas bonjour. Non, elle n'a pas lu ton message, Chantal. Chantal Renard. Non, dis que je suis en train de rassembler les... Chantal, elle est en train de rassembler les... Elle les, connaît, les, non, le matériel. Le matériel. Elle ignore quoi. Elle dit après, que tu ignores quoi. Uh-huh. Elle connaît. Merci, elle Céline. Elle fait partie de la maison. Qu'est-ce elle qui est vrai, Céline? Il y a Marie-Hélène Oiseau aussi qui est là. Mm-hmm. Elle savent. Ouais. Chantal Renard, elle fait que pomper des cœurs. Des cœurs, voilà. Dany d'Archeville. Et qui c'est pourquoi, Dany? S'il vous plaît. Ils sont surpris de voir qu'il y a un homme qui est devant le direct. Quand tu entends Eki. Ah! Dans le Eki, c'est pour moi, quoi. Aïe, le chocolat de ça, Karine. Oh! Chocolat noir! Oh! Oh! Merci, Karine. Merci, merci. Si c'est un compliment, je dis merci tout de suite. Je vais leur dire quelque chose. Coucou, comme ça, vraiment, comment tu vas? Ok, on y va. Quoi, tu veux te lever? Tu vas seulement venir t'asseoir. C'est pour toi. Mais pour mesurer la performance d'un homme, il faut regarder les doigts. Quand un homme dit qu'il est célibataire, regardez souvent ses doigts. Là, vous allez calculer la performance de la virilité. Hein? C'est comme ça. Demandez-lui, il est célibataire. Ah oui, c'est mon bon petit. Mais il est célibataire. Vous voyez un peu, non? Célibataire est disponible. Moi-même, j'ai vu ça. Ah, Karine! Et vous n'attaquez pas. Vous n'êtes pas chaudasse, là, en genre. Voilà l'hiver qui arrive. Et vous dites ça chaque temps que c'est en été qu'on choisit sa part. C'est pas en hiver que vous allez venir déranger les gens. C'est quoi avec vous? Montre tes doigts, mon petit. Montre tes doigts. Mes doigts? Il y a quoi sur mes doigts? Je veux voir quoi sur mes doigts. La main gauche, là. Voilà. Il y a quoi? Ah, voilà. C'est pour voir s'il y a l'alliance. Il n'y a pas l'alliance. Tant bien comme ça, là. L'alliance. Voilà, l'alliance. Vous avez vu, non? L'alliance, ce n'est pas un signe. Vous avez vu, non? Non, tata, l'alliance, ce n'est pas un signe. Vous avez vu, non? Tu ne vas pas faire qu'une femme va m'aimer parce qu'elle ne m'a pas vu. Là, vous elle m'a pas vu avec l'alliance. La nourriture devant vous. Vous mettez le cœur pour rien. Elles vont te poser maintenant les questions. Tu vois comment elles rigolent? Je suis venu mettre un peu de punch. Maintenant, elles vont te poser les questions. Je vais répondre aux questions. Voilà, c'est comme ça. Je vais répondre aux questions. Mais l'alliance, ce n'est pas un signe de sécurité sentimentale. Hein. Attends. Non, toi, tu es seulement que l'alliance. L'alliance, c'est quand tu peux enlever, non? Elles ont demandé l'alliance. C'est comme je pouvais enlever. Qui a demandé l'alliance? De montrer mes mains. C'est pour voir si laisse, elles vont te poser les questions. Ok, j'attends les questions. Harry! Lâche. On t'a vu dans le direct. Dit, là, je ne suis pas tata. Ça veut on t'a vu dans le direct. Non, j'ai jamais fait un direct. Si, voilà pour ça que le téléphone sonne. Réponds. Non, c'est mon ami Dany qui m'appelle. Mais réponds à Dany. Je continue ici. Non, tu dis à Dany que va. Tu es occupé. Non, je réponds. Tata Doudou, tu es très belle. Oh, c'est toi qui es très belle. En plus,
Il s'exprime bien. Oh, merci Rachel. Merci. Et c'est un match avec n'importe qui, vous aussi. Tata je vous ai déjà dit ça. Tout ce que je mets sur ma page, c'est parce que c'est... Il est là à jouer au blanc. Non, du ciné, il joue au blanc. J'ai pas lu, peut-être l'info est passée. Quand j'étais un peu distrait, je suis désolé. J'ai pas vraiment lu. Je m'en excuse déjà. Je suis célibataire, Isabelle. Isabelle qui? Tatiban. Qui a dit bien? Ah, Isa! Ah, ben, c'est un ami de ça. Isa! Elle est à Toulouse, elle. Ouais, elle est à Toulouse? Ouais. C'est en eBay. Ce sont mes gens. Oui, c'est en eBay, ça. C'est toi qui peux filer mon numéro en eBay. Je ne peux pas donner mon numéro en direct. Non, si tu donnes ton numéro, mon Tata frère. Tata de deux, j'ai déjà parlé de moi plus que... Bon. Non, je n'ai pas joué au blanc. Je ne peux pas jouer au blanc. Je suis noir. Et surtout que je suis noir pur. Donc, je ne peux pas me mettre à jouer au blanc. Vous voyez comment quand il est kaki, ses mains comme ça, regardez la paume de main. Comment vous êtes toujours... Tu sens... Comment vous êtes toujours célibataire? Tu sens... C'est qui veut que son hiver chauffe? Il faut trouver l'âme sœur. Voilà, qui veut assurer son hiver? Du cinéma dit que je moralise trop. Mais c'est normal, il est en direct, non? Et puis il est impressionné, lui n'a pas l'habitude de faire ça. Hein? Désolé du ciné, je ne sais pas comment ce truc se passe, mais je dis juste ce que je pense et comme je le pense. Voilà, je c'est tout. Pas, je ne dis pas les choses sans calcul. Pourquoi? Parce qu'il a trouvé que sa grande sœur était... Chantal me dit, Tata Doudou va sélectionner pour moi. Ok, bon. Ok, ça serait même plus facile, quoi. Parce que là, tellement, j'ai envie de dire que vous êtes belle, mais je ne vous ai pas vu, vous écrivez bien. Mais je sais qu'à la base, toutes les femmes sont belles. Ça dépend de l'angle d'appréhension de chaque homme. Toutes les femmes sont belles. Donc, je ne vois aucune... Je ne peux pas créer quelqu'un. Je ne peux pas dire qu'une femme n'est pas belle, ça c'est impossible. Parce que chaque femme est belle. Parce que quand tu vois chez X, femme, tu as nettoyé, elle a chez Y n'a pas, que Z n'a pas, que A n'a pas. Pourquoi c'est comme tu es jalouse comme chaque ça? Chaque femme a sa particularité. C'est maintenant en fonction de ça. Donc toi tu nous vois là comme tu veux, là qu'on vient aussi t'aider. Et puis tu nous vois déjà là comme nous on est. Tu as vu comment elle est? On dit de te voir, mes doigts confirment quelque chose. J'aime son raisonnement, sa tête. Oh, merci. Okay. Tu as dit ça. Attends, je regarde. Non, c'est pas ça. Quelqu'un aime mon raisonnement et ma tête. Oui. On aime mon raisonnement et ma tête. Tata de deux femmes. Mais pendant qu'on est là, mets l'eau. Tu mets au feu. Mets au feu. Le temps que ça boule, là, tu vas voir. La beauté dans le cœur. De toute façon, tu fais comment? Tu vas me laisser, non? Essaye de t'accompagner là-bas pour accompagner les autres à la gare. Oh, aider va remonter. Tu vas faire comment? Donc, il faut la chaleur qui en dit. Oui. Oh, Véronique, toi. Parce que je suis en direct. Ton humour, c'est grave. Oui. Les lèvres de son. Tu voulais qu'on ait ensemble? Moi, pas où? Moi, j'aimais bien que j'ai, pardon. Ah, ben, ok. Merci, Karine. Céline demande mon âge. J'ai dit 44 ans, Céline. 44 ans. Je suis né le 7 juillet 1979. Ouais, j'ai lu des commentaires. Ok. Voilà. Ta doudou, avec ta grosse lèvre qui pèse 60 kilos, c'est qui dit ça? Ça, c'est Nia Steven. Nia Steven. Voilà, tu as vu, non? Et c'est un banganté en plus. Nia Andjigé. Ou un cham chambou, mon nuque. Voilà. Ou le man chambou. Je n'y a pas un cham chambou. Fini avec lui. Non, je lui explique. Fini avec lui. Il vient souvent m'énerver. Non, je lui dis ça. J'ai dit que fini avec lui. Je lui dis en banganté que Nia, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que dans notre tradition, un petit frère insulte son aîné? Je dis que fini avec lui. Fini avec Nia. Tu veux nous verser le sel dans le cube? Oh, Vignette, on était deux cancers. Attends, santé, Vignette. Non, 42 ans. Fini avec lui. Mais écoutez, en amour, il n'y a pas. Moi, je n'ai pas un problème avec l'âge. Non.
Parce que c'est le cœur qui parle, c'est pas l'âge qui parle. Non, tu manges ce verre ici là. C'est le cœur qui parle, l'âge ne parle pas. J'ai dit que fini avec lui. Dans tout ça. Ah, qui a mis les étoiles? Ouh, merci, oh, qui a mis? J'ai pas vu. Attends, regarde qui a mis les étoiles. C'est le nom là. Jason. Ah, ma milliardaire. Oh, Jason, merci beaucoup, maman. Il n'y a que toi, ce qui sait qu'il faut qu'il y ait les étoiles ici. Fini avec Nyat. Voilà, fini avec Nyat, Steven. Fini avec lui. Frère. Ça faut pour il faut me pardonner. Non, non, il me dit il faut pardonner. C'est Nia qui dit ça. Oui, c'est Nia. Même moi. T'es ton noyal. Maintenant, tu viens à dire qu'il faut pardonner. Donc, tu attendais. Je t'ai dit que. Attends, ne l'insulte pas. J'ai fini avec lui. Non, je t'explique. Il vient souvent me dire ça. Non, parfois. Après, il va me dire que tes fesses. On n'est pas obligé de répondre à la violence par la violence. Oh. Nia, même moi. J'ai dit que Nia. Même moi. Le tout aussi. Attends, Doudou Banchambom. Le tout-ci. Nia Steven, ton noyal. Nia Steven. Non, me caronne ton me noyal. Je lui pardonne. Je suis en train de lui dire de ne plus insulter ma grande soeur. Mouf. Nia. Ma caronne, mouf. Mouf. Tu as compris quoi? Nia Steven. Non, laisse-le. Tata, laisse-le. J'ai dit que j'ai fini avec lui. Parle-lui en bagaté. Non, je lui parle en bagaté parfois. Je finis avec lui. Voilà, il a dit qu'il a compris qu'il ne va plus il te déranger. Il ne comprend rien. Non, il a compris. C'est en bagaté. Je lui parle. Nous tous même moi. Oulembe, Abengu Batte direct au Tchabi. Mouni Wagom. Bagé Bambam Velouzala. Henri, attends, il te dit. Quand tu vas. Quand il va encore faire le direct seul, tu vas merci voir comment il va encore venir. Il oublie qu'il va t'appeler. Merci, Perpétue. C'est pour ça qu'elle dit que finir avec lui. Oui, Véronique, il n'y a pas de problème avec l'âge. Tu comprends? Maintenant, j'ai 44 ans. Maintenant, si j'ai un problème avec l'âge, je fais quoi? Je dois pêcher dans le berceau? Je dois faire quoi? Le cœur n'a pas, le cœur n'a pas d'âge. Le sens que le cœur te dirige, ça n'a pas l'âge. Nia dit ça quoi? Ça dépend de ce que tu ressens. Il dit quoi? Il vient non, de non, Nia, mon frère Baranté, j'ai compris. Non, tata, on ne l'insulte pas. Non, même si tu es insulté, laisse. Même si t'es insulté, tu laisse. Ne connais pas. Laisse, je lui parle, il ne va pas t'insulter. Ne tchouk même moi, ne tchouk même moi. Il ne connaît pas la face. Il me dépasse. Kaben Chabi, ne tchouk. Il me dépasse. Ou Benzui. Ouais. Agengu Batse Chouna, ou Famila. Chabenzui veut dire quoi? Chabenzui veut dire Renme. L'oncle Nintoy. Une Chabenzui comme moi. Nya, je suis fatigué de toi. Aujourd'hui là, ton frère Bagaté va finir avec toi. Il dit qu'il a compris. Il ne comprend rien. Tu ne le connais pas. Ah, voilà du ciné qui dit que les Banganté sont les vantards et les gueulards. Mais sont les bons hommes. Merci du ciné, mais je pense pas que je gueule. Bon, vantard, je sais pas si je suis vantard. Peut-être tu peux t'habiller, tu es un peu beau. On croit que. Ouais, je viens. On croit que c'est l'avantagiste. La jalousie de ça. Merci, merci. Merci. La jalousie de ça. Noblesse, dignité, élégance. Bon, c'est vrai, mais il y a la noblesse, dignité, élégance dans toutes les tribus. Ça dépend de l'appréhension de chacun. C'est un peu comme on dit que oh, si tu vas chez les bassins, c'est comme ça. Tu vas chez les bafons, c'est comme ça. Mais tout ça, c'est faux. Ce sont des préjugés. C'est comme la probabilité, tu ne peux pas acheter un sac d'arachide, il n'y a pas un grand qui est pourri. C'est la même chose dans tous les villages. Il y a toujours les mauvais et les bons personnages. Mais maintenant, il faut suivre son cœur, avoir foi en soi. Un peu de respect sur le direct de Tata Doudou. Mais Marie a vu, ça c'est Vinette. Ok, Vinette. Merci. Mon ex était Baganté de Bang. Aïe, 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 c'est grave là. Ça c'est grave. Baganté d'où là? Ah, mais c'est Bangoula. Ça c'est très grave. Ça veut dire que je suis moi. Je suis Bangoula. Je suis Baganté de Bangoula. Si ton ex était là. Sans que tu ne vas pas nous faire de cadeau, quoi. Parce que quand on dit ex, on comprend que, ok, merci, même Monia, je comprends. Tu m'as dit que tu as compris. J'espère qu'un bon noble, digne et élégant,
tu ne vas plus déranger Tata Doudou parce que nous sommes quand même des hommes. On doit respecter les femmes. On n'a pas besoin d'avoir un intérêt particulier pour les respecter. Parce que la femme, c'est la mère de l'humanité. On les respecte d'abord. Et malgré ce qu'elles pourront faire après. Mais on les doit d'abord de respect. Parce que c'est eux, elles qui nous ont enfantés. Elles nous ont mis au monde. Donc, bref, on doit les respecter. S'il te plaît, mon frère, il y a... essaye de faire les faire. D'abord ta soeur, tu dois me valoriser. Mais Tata Doudou, je suis en train de te valoriser. Donc quand je parle, on sait que je suis ton petit. C'est toi qui m'as mis là. Je parle au nom de qui? C'est pas ton nom. Non, je n'attends rien. Hé, hey, Tata Doudou crie que je n'ai pas valorisé, qu'elle est ma soeur. Elle est là. On est en train de rassembler le matériel de travail. On était où? Dans une fête de communauté. On a passé une soirée en blanc. C'était super. Mon frère Barenté, j'ai compris. Ok, les Barentés sont les ventailles. Une fête de 75 personnes. J'ai vu ça. C'était une belle petite fête. Tata Doudou est là, toujours belle comme vous, vous la connaissez. Copino est un. Tu as mis le savon. Aïe, ça n'est pas. Donc, laisse ça là comme ça. Les commentaires sont statiques. On ne met plus le cœur. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Mettez les cœurs, partagez. Mettez les cœurs. Voilà, c'est bon. Les cœurs commencent à monter. Voilà, 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 voilà. C'est tout. Les cœurs, pompez les cœurs, s'il vous plaît. Pompez les cœurs. Voilà, pompez. On n'a même pas encore temps. On est seulement à 1000. Hein. Non, ça suffit pas. Pompez les cœurs. Voilà. J'attends vos commentaires. Ok. Même mon venia Stephen Claus. Mon ébranchant connu. Mais tata, tu as les fans. Hein? Il m'a dit qu'il a compris. Il va plus te déranger. Attends, je vais t'appeler. Non, il va pas. Et quoi que j'aime pas ton numéro. Il va plus. Quand il va encore péter un genre là, je vais te dire. Il va plus te déranger, moi je suis sûr. Les Barentés, quand même, ils ont quand même une parole. Mais si mon frère me promet qu'il va plus faire quelque chose, je pense qu'il va. Je pense pas qu'il puisse encore le faire. Voilà. Je suis fatigué avec. Et là, il y a les cœurs qui montent, mais il n'y a plus de commentaires peut-être. C'est toi qu'on veut là, voilà. Les commentaires sont là, regarde. Non, tu n'as pas bien vu, regarde. Ouais. Regarde ici là. Et pourquoi donc ça me défile pas? Ok. Ouh là là. Voilà. Maintenant je vois ça où. Et là maintenant les commentaires vont recommencer à monter. Bon, je savais même pas. Les commentaires étaient bloqués. Oh là là, c'est plein de cœurs. Ok. Trop de cœurs. Merci les filles. Ça pas un peu. Tata Doudou. Ça pas un peu. Merci. Ou alors, ce que tu aurais dû faire. Merci. Tu vois, non? Tu as versé l'eau là? Non. Non, laisse l'eau là. Voilà. Oui. Par exemple, j'allais te dire, dans ce cas, tu laisses. Le temps que tu. Y a... Tu les amènes, non? Il y a Regan Kama qui dit qu'il y a un magnifique soleil là où tu es. N'est-ce pas? Ouais. Ouais. On profite des derniers moments du soleil, non? We enjoy the last time of sun. Ok. Trop de cœur. Chantal Rena. Les cœurs. Dani, ouais, laisse avoir comme ça. Il reste juste un peu. Allez, dès que tu es prêt, tu me dis. Hein, tu vas me le faire. Let me check time before. Because I don't want that we reach there and we don't have a train. Ok. Tout à l'heure, c'est toi qui m'as stressé et c'est toi maintenant qui vas. Tu me demandes où je cours, je pars. Qui? Il m'a stressé, oui, je pars. Dès qu'il s'est mis devant ce truc-ci, ça te permettait d'avancer aussi, Coco. Ah, ben voilà! Ah, coucou. Coupinou, c'est qui m'a. T'as les coucous bois de seulement. La Guadeloupe. Ah, lui. Mon prénom est comme. Ouh, non.
il y a trop de cœurs. Oh là 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 là. Valérie, Chantal, Rina, des cœurs. T'as raison. J'espère un jour. Ah, tu vas dormir, on va pouvoir travailler ensemble avec Tata. Ouais, c'est ce que je souhaite. Tu viens avec Tata, bisous, Doudou. Tu fais une partie. On travaille ensemble. Il n'y a pas de problème. C'est le boulot. Mm-hmm. Bonjour à tous, bon dimanche avec le soleil. Merci Ludivine. Merci, c'est un bon soleil, je n'y attendais même pas. Mais c'est un bon soleil quand même. Elle dit une minute, mon tempo, Goussainville, c'est son. Tu l'as alors, au revoir. Mais l'homme, 8 minutes. Mais non, j'ai. Non. Bon, ok. Annie, c'est bon, hein? T'es prête? Attends, il faut que tu me laisses un peu psychologiquement. Ok. Dans combien de minutes à peu près? Non, non, c'est bon. Sincèrement, c'est bon. Non, on a le temps de couper et puis c'est on boit un verre avant, on la sépare. Non. Bon, ok. Je remercie d'abord ma grande soeur Tata Doudou de cette opportunité qu'elle m'a donnée de découvrir avec qui elle partage souvent. Vraiment, avec tout ce que j'ai bu là. Nia va encore venir ici avec sa longue tête. Non, Nia ne peut plus t'insulter. Copine, tu fais quoi? Il peut plus t'insulter. Tu tâtes quoi? Il peut plus t'insulter. Tu as vu comment me gère? Non. Donc, je vous remercie, les filles. J'ai été vraiment très ravi de causer avec vous. L'échange a été partagé. J'ai appris beaucoup de choses. Et peut-être pour tout ce que vous avez dit là, ça serait peut-être en IB avec Tata Doudou. Ça serait pas avec moi, parce que c'est ma grande sœur. C'est elle qui dit. C'est que, non, pas ce que je fais, parce qu'en amour, on ne commande pas ça. Celle qui est peut-être qui, comme quelqu'un a dit, laisse Tata Doudou faire le tri pour toi, je pense que c'était la meilleure solution. Donc je vais te laisser faire le tri pour moi. Hein. Comme tu es ma grande sœur, tu connais ma personnalité, mes qualités, c'est toi qui pourrais choisir ce qui est de mieux pour moi. Donc sur ce plan, je te ferai confiance entièrement. Mais je te dis, je ne cherche pas une femme par rapport à sa beauté physique, mais par rapport à sa valeur morale. Il faut vraiment tenir compte de ça, s'il te plaît. C'est important. Ok, je vais vous laisser avec Tata Doudou et je vous dis merci à tous. Bon dimanche, bon fin de week-end, bon début de semaine. Et que Dieu vous protège. Et très bien. Ainsi que vos familles. Ça finit vraiment comme je vous attendais. Et vous accompagne au boulot, comme tout le monde. On sait que c'est très stressant par ici, mais on doit travailler. On est là pour ça. Je vous souhaite vraiment une bonne semaine. Et bisous, bisous. Ciao, ciao. À vous. Je vous passe Tata Doudou. Ok. Toujours en train de manger. Mais Annick, c'est moi. Annick, c'est moi. Il vient de dire. Mais le gars me dit que je suis beau. Ok. Annick. Henri. Je me suis encore regardé un jacques. Je veux dire, hein. Toi, mes gars, mettez-moi les cœurs, non? Mettez-moi les cœurs. Henri va pas tarder à partir. Henri est là depuis hier. Un bon petit qui est venu donner le coup de main. Comme on dit, une fête, c'est une fête. Il n'y a pas de petite fête. Du moment où tu organises déjà pour recevoir du monde, il faut savoir que une fête, c'est une fête. Et il ne faut jamais rien négliger. Et là où nous sommes, on a fait dans un grand jardin. Il y avait le banon, une tente et tout ça, parce qu'hier ça a menacé de pleuvoir quand même. Il a quand même plu. Ouais, non. Donc, du coup, comme on dit, on invite quelqu'un, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. C'était Nyanga jusqu'à. C'était très bien. Moi, je suis arrivé vers 1h du matin parce que j'étais fatigué. J'ai cuisiné toute la journée. J'adore la fête avec les Africains. Je dis que hier c'était vraiment convivial. Un petit truc sympa et tout, c'est bien. Ça, c'est pour clôturer l'été. C'est un barbecue en plein air. Barbecue toute la nuit. Vous voyez un peu le genre là, non. Ça donne mal. Donc pour ceux qui ont les maisons, c'est une très bonne idée, souvent pour recevoir. C'est une très bonne idée pour recevoir tout.
là tu te prends pas la tête et tout, et puis tu as ton banhomme là, tu m'as pas invité tata doudou. Non, c'était pas pour moi. Tu comprends? Non, c'était pas pour moi. Chantal, tata Majeli, il est à quelle heure? 19h07. Tata Majeli est déjà en train d'aller bosser. Elle est seulement venue mettre le chant de cœur là. Là, elle est déjà en train de me... C'est bien ma copine, tu as un réflexe. Tata Majeli est seulement venue mettre le cœur. Bim, elle est partie. Elle est dégoûtée de ce week-end parce qu'elle travaille. Donc, on ne peut pas être partout, mais c'est comme ça. Oh là là, quel régal. Oui. C'était vraiment très sympa. Et tout. Bombo. Il pleut tellement chez moi. Impossible d'aller dans mon jardin. Ah ben oui. Là, quand tu fais comme ça, là, c'est... Bon, après, maintenant, on peut prévoir plus loin. La météo nous donne déjà les prévisions. Hein, météorologique d'avance. Ça fait que tu, quand tu veux faire comme ça, tu peux programmer. Là, tu peux recevoir les gens tel ou tel jour. Oui, tata Majeli est en train de bosser. C'est pas là. Il est en train de marcher pour rentrer dans son sexe. Donc, c'est du genre, il vient se mettre le cœur et puis il continue. Et c'est même d'accord parce qu'il a cassé le cou de l'hôpital. Elle devait venir boire le bouillon, mais il n'y avait pas moyen de venir boire le bouillon. Lydie Rose. Bonjour, ma. Oui, Mbombo. Les gens n'est là, non. C'est ma Mbombo. De temps en temps, je me fais aussi une petite toilette. Mettez les cœurs. Partagez. Pourquoi vous n'aimez pas partager? Il n'y a que ma milliardaire seule qui est venue mettre les étoiles là. Hein? Pourquoi vous ne mettez pas les étoiles? Il y a mon autre page aussi là, du Ngambala, je suis en jaune. Allez vous abonner aussi là-bas. Abonnez-vous aussi là-bas. Vous ne partagez pas assez. Vous ne vous abonnez pas sur tout ce qui me concerne et vous dites que vous m'aimez. Franchement, c'est décourageant. Hein? Franchement, laissez-moi boire mon jus de pomme. C'est pas gentil. C'est pas gentil ce que vous me faites là. Nat et Louise. Ta tête de loup, ça passe mal. Ça passe mal. Comment ça, ça passe? Mettez les cœurs. Ça passe mal parce que vous n'avez pas les cœurs. Oh. Je ne peux pas me faire comme ça. Hein. Bon, je reviens. Je dis au revoir mon petit frère. Il est en train de partir. C'est le pied. Je dis au revoir. Donc celles qui vont venir là, ça c'est justement que quand je connais quelqu'un, c'est quelqu'un comme moi. Moi j'ai eu à unir des couples comme ça là, qui ont duré jusqu'à faire des enfants mariés et tout. Ils comptent des années aujourd'hui. Mais mon petit là, je veux pas que vous le dérangez. Parce que c'est quelqu'un qui est d'abord serviable, très respectueux d'abord. Très serviable, très respectueux. Il connaît. Sans eau. Ça bug. Hey. Et ici, c'est comment? Ça bug. Attendez, je coupe alors, je reviens. Et ça bug. Mettez le cœur, le direct est signalé. C'est normal, c'est tout. Si vous ne mettez pas les cœurs et tout, le direct est attaqué. Vous savez qu'il y a des jaloux partout. Hein? Même pour rien comme ça, là, ils viennent seulement mettre le... Il commence à signaler. Bah oui, là, ça descendait déjà. Maintenant, ça va à 108. Ah, c'est pas possible. Pourquoi vous me faites ça? What do you do me now? Why do you do me? Est-ce que you vouloir de speak English? What do you do me now?
Hein? Oui, c'est Vanessa Pante. Pardon, qui rit là? Pourquoi vous riez? How do you do me? How do you do me? Why? Why? Ça va mieux comme ça. Hein? Mais why do you do me now? Hein? On t'a. Quoi, on bouge. Oh, pardon, 10 minutes, parce que après, le train il passe à 32. Il y a combien? 13. Mais c'est bon, copineau, le temps que tu le déposes, non? Non, non, ça, c'est ici à côté. Quand je dis 10 minutes, t'as déjà Tu as calculé tout, hein? Tu as dit combien? Il est 13. Il est 13. Mais 13 plus 10, c'est 23. Le temps qu'ils descendent, le temps qu'ils achètent des tickets, le temps que ceci. Non, il a déjà tout. Ah, tu en avais. Ah, excuse-moi. Ah. Ouais, mon frère, il faut laisser. That's English. Oh, maman Sarah. Petit grass. Left me. Left me, petit grass. I'm désoling. Ma star. De tout le temps. Inès Mongo. Annie Krapsot, c'est bon. Là, ici, c'est bon. You look me. Parce que me, I look you. You look me. Voilà. When you put the hearse, the direct is marching. When you don't put the hearse, the direct is buggy. Donc, put the hearse. It's not correct. I don't like it. Put the hearse. Put the hearse. I don't like it. Pretty grass. Mettez les étoiles, non? Pourquoi vous ne voulez pas m'impressionner avec les étoiles, mes gens? Est-ce que vous pensez que les étoiles, c'est seulement pour une catégorie de personnes? Pourquoi vous me faites ça? Maman Doudou, je suis à New York. Tu me fais rire. Et Gisèle Denisor, même toi aussi, tu vas sortir de direct alors que tu te fais rire. Tu ne mets pas les étoiles. C'est pas là-bas, aux États-Unis, que c'est vous qui nous montrez l'affaire des étoiles, là. Hein? La milliardaire est venue, elle a mis les étoiles, elle est partie. Mais vous, vous êtes là dans le direct, je vous fais seulement rire, mais vous ne mettez pas les étoiles. Et c'est moi qui demande. C'est Facebook qui demande. C'est pour montrer que la page est là. Parce que malgré qu'elle soit signalée déjà, et qu'elle soit restreinte et tout, mais le fait de voir comment elle est active, grâce à vous, il ne coupe pas la page. Je suis menacée, les gens me jalousent pour rien. Tata Doudou, je suis pliée. Annie Krapsa, tu es plié de quoi encore? Make I put the hearse. Gisèle K, yes, put the hearse. Many, many, many more. Put the hearse. I like it. Please, put the hearse. Put the star. Put the star. Any more. Tapote, tapote. Go. Put the star. Put me the star, put me the hearse. Hearse. Yes, I like it. Oui, I'm frequenting. In lycée de Ligue Sono. Vous ne me mettez pas les cœurs, vous ne me mettez pas les étoiles. Eh, mes gens. Tu Inès Mongo, tu dépasses toutes ces étoiles, ma soeur. Tu es la meilleure. Eh, hey, prouvez-moi alors que je suis la meilleure. Hein? Prouvez-moi que je suis la meilleure. C'est-à-dire qu'on vient toujours rajouter, non? Pourquoi pas? Comment tu fais ça? Prouvez-moi que je suis la meilleure. Rien que c'est en me montrant, en faisant avec des actes. Pourquoi les autres ont et moi je n'en ai pas, alors que je suis la meilleure? C'est avec quoi?
Ça avait quoi? Ça avait quoi? I'm answer you. Ça avait quoi? Je vous pose la question. Ça, c'est la traduction. I'm answer you. Pourquoi vous ne me prouvez pas ça? Hein? It's not gentil, hein? Donc, maman, tu ne viens plus à Dubaï. Eh, hey, Pretty Grace. Est-ce que tu m'as envoyé le billet d'avion? Eh, hey, ma Pretty Grace, depuis longueur, là, depuis des années. Hein? Grace, je suis là avec mon petit. Il va me partir, là. Il boit le jus de raisin. Bisous. Tata ne les ment pas. Non. C'est le jus de raisin. Tu bois le jus de raisin et moi, je bois le jus de pomme. Ah ben. Oh. Ah ben, si c'est dans toi aussi. Si c'est dans ce contexte, c'est bien. Mais c'est ça que je dis. Ah ben, voilà. C'est le contexte que je ne comprenais pas. Quoi. Tapoter. Chantal. Bon, écoutez, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous. Je reviens tout à l'heure. J'ai dû au revoir mon petit quand même. Hein? Parce que depuis hier, il est sorti de chez lui et tout ça. Il savait qu'il vient voir ses sœurs et tout. Et comme nous, on est famille, on aime bien rester avec les nôtres. On l'a bloqué. Donc forcément, voilà. Donc, et puis là, il faut qu'il rentre quand même, quoi. Vous voyez, non? Mais quand ils m'ont séquestré? We go give you star. Don't worry. See, I'm worried. Yes, I wanted that you put more star for my sister because she like that for you. Well, yes. Yeah, we are going. Please, I need that you put more star for my sister, please. Voilà. Voilà. More star for my sister. Voilà. Please. Talk. She loves it. Talk when again. You put more talk again. For my sister, she give him for encouragement to continue to trust with you. Okay? Voilà. Put more star for my sister, please. Thank you. Talk again encore. Repeat it. Allons. Ok, bro. Voilà, Pretty Grace. T'as vu? Oh. Mais Adam voit la différence, hein? Voilà, moi, mon doigt est hein? bloqué. Je fais que tapoter ma tata. Il reste mon go. Ouais, le église, c'est ça. Pretty Grace, laisse-moi un peu tranquille. C'est quoi ça? Copinou, je vais encore déménager ça. Bon, je vous laisse. J'appelle pas Minsunga. Hein. Il faut qu'il vienne récupérer le matériel. Parce que le ciel tourne en genre là. Vous voyez, non? Le ciel tourne en genre là. Il y a les nuages et tout. Il y a une petite fraîcheur qui vient. Ça se trouve, il va pleuvoir. J'ai déjà rassemblé un peu tout. Vous voyez, non? J'ai déjà un peu rassemblé tout. Vous voyez? Donc, il faut qu'il vienne et puis il met ça dans les cartons. Quoi? What? You forget what? Quoi? Tu mets quoi? La pluie ici ne va pas tomber. Là quoi? Bon, mes gens, je vous laisse, je reviens.